Taylor Swift fait plier Apple. Le géant à la pomme a finalement décidé de payer les royalties aux artistes pendant la période d'essai de son site de streaming. Apple l'a confirmé sur Twitter après l'annonce par la jeune pop star américaine de boycotter ce nouveau service. Une véritable volte-face pour la firme de Cupertino, qui avait initialement décidé de ne verser aucune rémunération aux artistes durant les 3 mois d'essai de son service Apple Music, qui doit démarrer dès le 30 juin. Taylor Swift, qui a déjà retiré en novembre dernier tous ses titres du catalogue du site de streaming Spotify, s'est réjouie de la décision d'Apple. Pour les deux parties, c'est un match extrêmement lucratif qui se joue.